L'actualité à l'étranger, Moscou décide de passer à la vitesse supérieure dans le Donbass en envoyant ses chars les plus modernes en activité. Une décision qui en dit long sur la volonté de l'état-major russe dans le Donbass après avoir ressorti le parc blindé des années soviétiques en espérant qu'il suffirait pour gagner. C'est un coup de massue à venir dans la guerre en Ukraine. 200 chars lourds des T-90M viennent d'être acheminés sur le front, envoyés par le Kremlin dans la République indépendantiste de Lugansk, selon la chaîne russe NTV, précision de Nicolas Tonev. Ce son de la télévision russe que vous entendez, c'est celui d'une locomotive diesel qui tire des wagons plateaux à leur bord sous les bâches des T-90M. La scène se passe à la sortie de l'usine de Nijni Tagil, dans l'Oural, où sont assemblés les blindés. Il reste plus de 2000 km aux engins à parcourir jusqu'au front. Le temps pour les Russes d'organiser leur offensive avec ces chars et le temps pour les Ukrainiens de se préparer à faire face. Il y a déjà des T-90 sur le front ukrainien. Plus d'une trentaine ont été détruits, certains capturés. Mais une arrivée massive de ces engins pour épauler le matériel plus ancien déjà sur place peut changer la donne, par exemple dans la région de Bakhmout. Ces chars tirent à 5 km, résisteraient à certains missiles. L'intention de l'état-major russe est affichée en tout cas. En fournissant de tels moyens à ses troupes, en supposant que les équipages soient bien formés, ces chars redoutables auraient pour objectif la conquête définitive du Donbass et permettre ainsi au Kremlin d'afficher au plus vite une victoire décisive dans le conflit. En Ukraine, les combats font rage autour de la ville de Bakhmout, que Moscou tente inlassablement de conquérir sans y parvenir. La stratégie est la même qu'ailleurs. L'artillerie pilonne la ville dans l'espoir d'un retrait des civils et des soldats ukrainiens. Pendant ce temps, à l'ouest, des attaques de drones dans la nuit de vendredi à samedi ont laissé une grande partie de la région d'Odessa sans électricité. Si les opinions publiques occidentales connaissaient le taux de perte des Ukrainiens, ils n'accepteraient plus de soutenir l'Ukraine. Non pas qu'ils n'aiment pas l'Ukraine, mais parce que les opinions publiques diraient qu'il faut arrêter ce massacre. Quel bilan de l'opération militaire russe faites-vous à ce stade ? Eh bien, contrairement à ce que prétendent nos médias, on pourrait dire que la Russie a atteint tous les objectifs qu'elle avait annoncés en février de cette année. On a beaucoup parlé en Occident de la mobilisation partielle de 300 000 hommes faite par décidée par la Russie en septembre de cette année. Mais on n'a pas dit que, parallèlement à ça, l'Ukraine a fait 7 ou 8 mobilisations successives pour justement combler les trous des pertes énormes qu'elles ont eues. En Occident, nous avons ignoré, ou nous voulons ignorer, ou nous ne voulons pas voir, le coût humain de la guerre pour les Ukrainiens. Zelensky avait proposé aux Russes de négocier au 25 février déjà, donc un jour après le début de l'offensive. Ce sont les Européens qui lui ont dissuadé de le faire. Et le même phénomène s'est reproduit à la fin mars, où Zelensky a fait une offre très concrète aux Russes, qui intéressait les Russes, et les Russes étaient prêts à s'engager sur la voie de la négociation sur la base de la proposition de Zelensky. Mais ce sont les Occidentaux, et notamment Boris Johnson, qui a imposé à Zelensky de retirer sa proposition. €18 milliards pour l'Ukraine. L'Europe sort le portefeuille en soutien à Kiev. La somme correspond à l'aide pour l'année prochaine. Elle a été acceptée par le Conseil de l'Union européenne malgré le veto de la Hongrie. L'Ukraine peut compter sur l'Union européenne. Nous continuerons à la soutenir aussi longtemps que nécessaire, confirme le Conseil dans un communiqué. L'objectif est d'aider Kiev à la remise en état des infrastructures essentielles. Des tensions au nord du Kosovo ces derniers jours. La Serbie va demander à l'OTAN l'autorisation de déployer des forces de sécurité au Kosovo. Selon l'ONU, la Serbie peut déployer jusqu'à 1000 militaires et policiers dans ces zones. On retrouve Laurent Rouy, notre correspondant à Belgrade. Comment s'explique ce regain de tension ?
Alors, les Serbes, l'ensemble des représentants serbes du Kosovo avaient le mois dernier collectivement démissionné des institutions du Kosovo pour protester contre la politique de Pristina. Et donc, du jour au lendemain, les ministres serbes, les députés serbes, les policiers serbes qui travaillaient au Kosovo ont cessé ce travail. Le plus grand vide de pouvoir s'est donc ressenti au nord du Kosovo, donc la partie qui est peuplée quasiment exclusivement de Serbes ethniques. Et depuis, le gouvernement de Pristina, à savoir son premier ministre Albin Kurti, voulait organiser des élections locales partielles pour recréer des autorités avec lesquelles pouvoir dialoguer. Et c'est ça qui pose problème, parce que du point de vue de Belgrade, mais aussi du point de vue des accords de Bruxelles, le Kosovo, depuis des années, devrait donner une certaine autonomie aux Serbes, ce qu'il se refuse à faire. Et c'est la raison de la tension aujourd'hui. C'est pourquoi les Serbes donc ont bloqué le nord du Kosovo. Les Albanais ont déployé des policiers. Il y a eu des violences légères hier, puisqu'il y a eu un blessé léger par balle et également une grenade qui a été jetée sur un véhicule européen sans faire de blessés ni de dégâts matériels. Mais en tout cas, la tension est très forte. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'arrestation d'une eurodéputée grecque accusée de corruption, c'était ce week-end à Bruxelles. Scandale sans précédent qui ébranle le Parlement européen. Oui, ça plaît toujours un homme qui tombe, un homme puissant, c'est ce que disait Flaubert et il raisonnait en journaliste. Et c'est encore mieux quand c'est une femme, c'est plus moderne. Le destin d'Eva Kaili s'est brisé quand la police belge l'a arrêtée en flagrant délit, c'est-à-dire avec des sacs pleins d'argent liquide. 600 000 euros, ça fait beaucoup pour des étrennes. Imaginez un peu, ce matin, elle s'est réveillée dans le vacarme d'une prison et l'odeur de cantine. À la veille du week-end, elle était vice-présidente du Parlement européen, avec droit à quelques égards du protocole. Tous les journaux la présentent ainsi, oubliant au passage qu'il y a 14 vice-présidents en exercice. Il y en a d'autant plus qu'ils ne servent pas à grand-chose. La presse, qui aime le sensationnel, fait semblant de croire qu'une vice-présidente du Parlement européen est une institution, une autorité, un commandement, alors que c'est un titre ronflant qui n'impressionne que les portiers d'hôtels et sans doute aussi les chargés de relations publiques dans le Golfe Persique. Les enquêteurs ont prouvé qu'elle avait les mains sales. Ils auront plus de mal à démontrer qu'elle avait le bras long. Alors le parquet belge accuse donc cette Eva Kaili d'avoir accepté de l'argent pour influencer les décisions du Parlement européen. Ça s'appelle du trafic d'influence, mais la cible des 25 à 30 000 lobbyistes qui s'agitent à Bruxelles sont à la Commission, qui propose les textes, fixe les normes, veille à la bonne exécution des lois. Eva Kaili a été attentivement suivie quand elle promenait avec un ennui chaloupé sa silhouette élégante dans les travées du Parlement. L'eurodéputée la plus glamour de la décennie. Pour le reste, c'était comme parfois dans cette assemblée, une vedette sur une voie de garage, un politicien incapable de se faire élire que le parti envoie pantoufler à Bruxelles. Politiquement, l'ancienne journaliste de télé ne représentait plus rien à Athènes. Alors, il y a association de malfaiteurs avec des arrestations à Bruxelles, à Rome aussi. Hein. Deux ONG sont dans la ligne de mire de la justice, celle d'un ancien député socialiste italien, Pier Antonio Panzeri, parangon de la gauche donneuse de leçons. Il a fondé Fight Impunity, contre l'impunité pour les violations des droits de l'homme. Il ne disait rien de la violation des devoirs de la femme politique. À son comité d'honneur, des sommités comme Bernard Cazeneuf ou Federica Mogherini qui ont démissionné à Follet. Et puis à Rome, une autre ONG fondée par Emma Bonino, l'ancienne procureure du TPI de La Haye, pour faire la promotion de la démocratie dans le monde arabe. Le monde arabe doit bien rigoler ce matin. Le directeur est sous les verrous. La corruption est un sujet important en Europe. Elle coûterait 1000 milliards d'euros par an. L'opacité qui règne au sein des institutions européennes nourrit toutes les rumeurs. C'est sûrement très injuste. Mais on attend toujours que la présidente von der Leyen révèle le contenu des SMS qu'elle a échangé avec le président du laboratoire Pfizer en négociant l'achat de 4 milliards de vaccins anti-Covid qu'elle refuse de divulguer, malgré les recommandations de la médiatrice qui a enquêté sur ce marché mirobolant. Malgré les questions des eurodéputés et malgré les remontrances de la Cour des comptes. Signature, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h47 sur Europe 1. World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner
in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still they take their gas. Still they have their companies profiting billions there. We don't have the moral right for lectures to get cheap media attention. And we do not impose our way. We respect them. On le surnomme le monsieur sport de l'émir du Qatar. Nasser Al-Khelaifi joue en ce moment à domicile à Doha. Face à la télé britannique, il s'affiche très décontracté, mais tout aussi offensif quand il s'agit de défendre son pays. Les politiques veulent utiliser le sport pour se faire de la pub, pour leur propre intérêt. Ils n'y arriveront pas. Car le sport, c'est le sport. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et c'est ce qu'on fait en ce moment au Qatar, seulement du sport, du football. Le sport, ce fils de pêcheur d'origine modeste en a fait sa passion. Et même son métier. D'abord comme tennisman professionnel. C'est d'ailleurs sur les courts de tennis qu'il se lie d'amitié avec le futur prince héritier à gauche sur la photo. Quand le Qatar s'offre le PSG en 2011, Nasser Al-Khelaifi est propulsé à la tête du club et du puissant fonds souverain, le Qatar Sport Investment. Je pense que c'est un des meilleurs championnats du monde. C'est une belle opportunité pour nous d'investir dans le sport en France et de participer au succès de la Ligue 1 en France. L'objectif fixé par l'émirat, emmener le club au sommet. Et pour cela, Nasser Al-Khelaifi sort le carnet de chèques. C'était vraiment l'idée du développement économique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va d'abord développer le sportif à notre échelle, à notre hauteur. On a pris 10 ans, enfin, ils ont pris 10 ans, pour progressivement, via le sportif, via la pérennisation des performances sportives, gagner économiquement, fructifier sa réputation et attirer des joueurs. David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé, puis Léo Messi. En l'espace de 10 ans, le club signe les plus grandes stars du ballon rond et enchaîne les succès. 27 trophées remportés depuis 2011, du jamais vu en France. Si la Ligue des Champions échappe encore aux Parisiens, Nasser peut se vanter d'avoir hissé le PSG au rang des plus importantes franchises mondiales. Aujourd'hui, on voit les audiences qu'on fait dans le monde, la marque aussi. Je suis fier quand je me balade à Los Angeles, à Miami ou en Asie. Je vois des gens qui portent mon maillot, ce n'était pas le cas avant. Une success story que plusieurs révélations sont pourtant venues ternir. À 49 ans, celui qu'on décrit comme un bourreau de travail est soupçonné de corruption dans l'attribution du mondial au Qatar. La justice française enquête également sur des barbouzeries au sein du PSG. Des proches de Nasser Al-Khelaifi l'accusent de destruction de preuves dans plusieurs affaires. Et une nouvelle enquête judiciaire qui est en train d'être ouverte au tribunal judiciaire de Paris. Donc on a trois instructions qui vont se dérouler simultanément durant des mois, qui sont extrêmement complexes et qui surtout vont conduire Nasser Al-Khelaifi très certainement devant les juges. Des accusations que le dirigeant du PSG a récemment balayées lors d'une interview à l'équipe. Vous parlez de criminels professionnels. Ils ont changé d'avocat plus de fois qu'ils n'ont changé leurs histoires et leurs mensonges. Sur un autre front, le dirigeant qatari affronte en ce moment la mairie de Paris. Un bras de fer pour acquérir le Parc des Princes. Propriétaire du stade, Anne Hidalgo réclame une somme jugée trop élevée. Le PSG a auditionné une enquête et a constaté que pour le passé de 48 000 à 60 000 places, le Parc des Princes, c'est à minima 600 millions d'euros de travaux. Et le PSG refuse de dépenser 600 millions d'euros pour un stade qui ne lui appartient pas. Donc dit, je veux bien dépenser 600 millions d'euros à la seule condition que je suis propriétaire du stade. Ce qui en soi peut paraître normal ou logique. La mairie de Paris veut bien, mais la mairie de Paris veut le céder à minima à 380 millions d'euros. Sauf que le PSG, pour l'instant, n'a proposé que 40 millions d'euros pour le racheter. Mais le président emblématique du PSG pourrait-il bientôt s'éloigner du feu des projecteurs parisiens ? Un fonds américain souhaiterait acquérir 10% du capital, pour un montant estimé de 300 millions d'euros.
Nasser El Khelaifi a confirmé l'intérêt du club. La neige est de retour en Europe. Ce dimanche en Pologne, de violents blizzards ont perturbé le trafic et déclenché plusieurs alertes avalanches. Le pays est actuellement traversé par une brigida, un fond froid avec de vents soufflant à plusieurs dizaines de kilomètres heure qui a poussé l'Institut météorologique polonais à placer de nombreuses régions en alerte maximale. Dans la région frontalière de Kopa Kondratska, des secouristes de haute montagne ont retrouvé 3 personnes ensevelies dans une avalanche. Même scène de chaos au Royaume-Uni. À Londres, des dizaines de vols ont été annulés aux aéroports d'Heathrow, de Gatwick et de Stansted pour cause de brouillard verglaçant et de neige abondante. Des centaines de voyageurs ont vu leurs vols retardés. La neige est aussi tombée dans le Puy-de-Dôme, dans le centre de la France. Un temps froid qui met à l'épreuve les infrastructures énergétiques européennes, alors que plusieurs gouvernements redoutent d'éventuelles pannes de courant au cours des prochains mois. Vous allez écouter successivement Corinne Lepage, Dominique Voynet, Yves Cochet, Lionel Jospin, François Hollande, Ségolène Royal, Pascal Canfin, Elisabeth Borne et enfin Nicolas Hulot. Écoutez bien. Qu'il y ait aujourd'hui une majorité de citoyens européens qui acceptent de payer le prix d'un accident nucléaire en Europe, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous payer, il faut en être parfaitement conscient. Donc il faut organiser la sortie. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant, hein. Il fallait que j'aie l'air désolée de ce qui s'était passé. Vers 2040 ou 2050, nous espérons bien qu'il n'y aura plus du tout de nucléaire en France. On voit bien que c'était déjà une industrie chère et inutile, car il y a au moins 6 ou 7 autres moyens renouvelables et moins dangereux de faire de l'électricité. C'est pourquoi le surgénérateur qu'on appelle Super Phoenix sera abandonné. J'ai fixé là encore le cap. La part du nucléaire dans la production d'électricité sera ramenée de 75% à 50% à l'horizon 2025. Le conseil d'administration d'EDF vient d'entériner la fermeture définitive et de manière, je le cite, irréversible et inéluctable de la centrale de Fessenheim. Cette décision était attendue. C'est un moment historique parce que, comme vous le soulignez, ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Et puis, depuis des années, nos prédécesseurs ont reporté la décision. Cette décision, elle est prise. Et il faut arrêter de croire à ce mythe comme quoi cette énergie n'est plus une énergie de demain. C'est une énergie du passé. Je reste convaincu, puisque vous voulez ma conviction, que le nucléaire n'est plus une énergie d'avenir. Voilà, vous voulez mon sentiment, vous l'avez. Et voilà. Et voilà, depuis pratiquement 20 ans, de Corinne Lepage à Nicolas Hulot, en passant par Ségolène Royal, François Hollande, Lionel Jospin, Yves Cochet, Dominique Voynet et beaucoup d'autres qui nous expliquaient de manière, vous voyez, de tous les bords et de tous les horizons que le nucléaire, c'était fini, c'était le monde ancien. Enfin, l'énergie renouvelable paraît, et lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille français doit applaudir à grands cris. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, apparemment, aujourd'hui. On voit que c'est plus compliqué. Et on en parle avec Loïc Lefloc-Prigent, qui était, je rappelle, patron pendant des années d'Elf Aquitaine et puis du Gaz de France, et qui conseille plusieurs industriels, et qui vient de sortir un livre intéressant, et qui, dont le titre parle très bien, Il ne faut pas se tromper. Et on s'est trompé. Et on s'est trompé pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie, l'industrie et l'ITEL édition. Alors, Loïc Lefroc-Pigent, essayons d'ailleurs rapidement de faire un état des lieux. Aujourd'hui, en France, en 2022, fin 2022, Noël, hein, bientôt, comment on se ravitaille en pétrole et en électricité? Je veux dire, on achète à qui? On fait quoi? Le pétrole s'achète sur le marché. Et si jamais on avait envie d'acheter notre pétrole, c'est-à-dire celui de Total, on pourrait très bien le faire et on est autosuffisant. En fait, c'est pas celui-là qu'on achète. Total met son pétrole sur le marché et puis il est acheté par un certain nombre d'autres et nous, on achète d'autres pétroles. Mais si jamais on avait envie d'être autosuffisant, aujourd'hui on l'est. Ah, on pourrait être autosuffisant rien qu'avec Total. En supposant que Total
veuille fournir la France, oui, on pourrait être suffisant. Donc, il faut nationaliser Total. Alors, non, c'est pas du tout ça. C'est ce que je dis. C'est simplement que on s'est trouvé dans la situation d'être en difficulté à cet égard, et le développement de Elf puis de Total, ça a été grossièrement d'avoir une consommation de pétrole équivalente à la production. Alors, après, il y a les raffineries, et pendant les 20 dernières années, on a expliqué que les raffineries étaient sales et qu'il fallait éviter d'avoir des raffineries en France. Donc on a perdu la moitié des raffineries. On les a mis où, les raffineries ? Ben, on les a mis ailleurs. En Inde et ailleurs. Partout ailleurs. Et donc, lorsqu'on s'est trouvé avec les problèmes des produits pétroliers à la pompe, on s'est aperçu qu'avec 150 personnes, on pouvait arrêter le raffinage en France. Et vous avez vu ça tout récemment, me semble-t-il. Bon. Absolument. Donc, les produits raffinés, oui, on en achète. C'était quel exemple, là? Oui, quand il y a eu la grève, quoi. La grève des 150 personnes dans les raffineries. Hein, c'est suffisant, 150 personnes pour arrêter les raffineries. Bon. Et donc là, on a eu des difficultés, mais la plupart des pays, la moitié environ des produits raffinés vient de l'extérieur. Parce qu'on a fermé les raffineries. Ça, c'est la politique, je dirais, de l'environnement. Hein, c'est-à-dire que la politique de l'environnement, c'est de fermer tout ce qui est sale. Voilà. Et la raffinerie, c'est sale. C'est bien connu. C'est ça. Alors ensuite, sur le gaz. Sur le gaz, donc, on a aujourd'hui du gaz importé. Ce gaz importé. Notamment le gaz de schiste américain. On l'importe comment? Oui. On l'importe par des gazoducs ou on l'importe par des méthaniers. C'est ça, les bateaux. Oui. Les gazoducs, c'était de la Russie, donc grossièrement, on avait de l'ordre de 15% qui venait de Russie, mais autrement, le gazoduc, c'est la Norvège, et c'était autrefois les Pays-Bas, jusqu'au moment où les Pays-Bas ont arrêté de produire à Groningue, parce que ça déplétait, c'est-à-dire que le gisement était cassé. Bon, alors, donc là, on s'est orienté, il y a une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années, sur le gaz naturel liquéfié. Nous avons été les promoteurs du gaz naturel liquéfié en France, avec une technique de méthanier. La moitié des méthaniers fabriqués dans le monde sont à base de brevets français. Oui. Et on a fait on a accompagné ça avec un certain nombre d'endroits où on accueille le gaz naturel liquéfié. D'accord. Alors, ces endroits, c'est Dunkerque, Donges et Marseille. D'accord. C'est les trois endroits. Et donc, on a un potentiel important de gaz naturel liquéfié qui arrive. Une fois qu'on a le gaz, on peut le stocker, et nous avons été les promoteurs en France toujours, avec Gaz de France, du stockage souterrain, et nous avons des stockages souterrains partout mais en France. On a combien aujourd'hui et combien on importe? Grossièrement aujourd'hui, si jamais nous étions séparés de la planète avec nos stockages souterrains, on passe l'hiver, l'été, et on commence à avoir des problèmes vers d'ici un an. D'accord. Donc on a les stockages. Bon, alors on importe aujourd'hui d'où? Ben, on n'importe plus de Russie, c'est clair. Nos amis allemands ont eu tendance à vouloir prendre tout ce qu'il y avait comme gaz, ce qui a augmenté les prix, comme vous avez vu. Bon, et donc il a fallu que nous mettions sur les gaz de schiste américains. Et donc, nous importons en gaz naturel liquéfié beaucoup, aujourd'hui, du gaz naturel de schiste américain. Alors, si jamais nous voulions avoir du gaz, nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est d'apprendre le gaz de schiste français dans un gisement français. Mais horreur. Les écologistes, de quoi ça vous ferait, parlez? Je sais que c'est l'horreur, mais ça ferait de l'ordre de 15% à peu près. Combien, de consommation. Et on pourrait le faire en une période de 18 mois. C'est-à-dire que si vous décidez, vous faites le forage, etc. Alors, bien sûr, il faut respecter les règles, etc. Mais c'est l'ordre de 18 mois. D'accord. Hein, c'est rapide. Et puis, nous avons la méthanisation qui produit donc du biogaz. Oui. Et là, il faut arriver à voir du point de vue économique où ça nous met par rapport au prix du gaz qui a augmenté de façon extraordinaire, importante. Oui. Encore faut-il que les méthaniseurs puissent être faits dans des délais relativement courts. Là, je ne suis pas spécialiste en méthanisation agricole. Mais aujourd'hui, en fait,
entre le pétrole et le gaz, parlons pas du nucléaire, enfin, on pourra en parler. On va en parler quand même. Oui, bon, très bien. Mais vous avez vu sur le nucléaire quand même, qu'est-ce qui a fait, alors écoutez, vous étiez, vous connaissiez les gens du pouvoir, vous avez été président de Elf Aquitaine, je le rappelle, et de Gaz de France, vous les fréquentiez, en tout cas un certain nombre, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit à un moment donné, parlons du nucléaire tout de suite, oui mais c'est fini ça, c'est le passé, c'est fini, avec des prix, on va fermer. C'est le lobby antinucléaire a été très fort, et le lobby antinucléaire a gagné la bataille de la communication. Oui, la communication. On a gagné la bataille de la communication. Et par contre, la bataille politique, elle l'a gagnée en 97 avec Jospin. C'est-à-dire quand Jospin arrive, il veut faire la gauche plurielle, et la gauche plurielle se fait avec les Verts, et l'apport des Verts, c'est la fermeture de Superphénix. Or, Superphénix, c'est la dernière cartouche des antinucléaires. Les antinucléaires nous disent, c'est sale, c'est sale, c'est sale. Bon, alors, sur le carbone, c'est pas bon. Puisque sur le carbone, c'est ce qu'il y a de meilleur, le nucléaire. Bon, alors, il faut trouver quelque chose. Bon, c'est les déchets. Et les déchets, les physiciens, depuis les années 73, si j'ai été là, à ce moment-là, on commence à dire, mais on va utiliser les déchets dans des centrales, dans des réacteurs à neutrons rapides, avec au circuit primaire, recycler, avec ça, ouais. Et on recycle les déchets. C'est ça. Et en 1997, on démontre avec Superphénix que c'est possible. Alors c'est pas encore au point. Non, mais c'est possible. Et c'est là où on démonte. Et c'est là où on arrête. Non. Et c'est une grande victoire. Et c'est cette victoire-là qui a conduit à toutes les autres défaites, si je puis dire. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, les nucléaristes que je connais, dont j'ai été et que je suis toujours, se disent, là c'est foutu, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à revenir sur le nucléaire parce que la France a déserté. Et les physiciens partent donner l'ensemble des données Superphénix aux Chinois, aux Russes, aux Américains. Ah oui. Toute l'invention française est partie. Est partie parce que les types disent dégoûtés en disant on n'arrivera pas avec. Après un match de football. Alors on dit, oui, il faut se défouler, vous comprenez, c'est défouler, oui d'accord, on peut se défouler, on doit se défouler, on doit crier sa joie d'avoir son équipe, l'équipe qu'on aime, gagner, l'avoir gagné, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut tirer au mortier, ça veut dire qu'il faut absolument détruire, caillasser, casser, se bagarrer, c'est quoi ça? C'est quoi, c'est devenu une espèce, là aussi, c'est un fait divers? Mais il y a pire, on appelle ça un fait divers. Quand à Beson, il y a quelques jours encore, un octogénaire, un vieillard de 87 ans, s'est fait massacrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette espèce de violence, bien sûr, on me dit la violence a toujours existé. Mais enfin, attendez, est-ce que la violence doit toujours exister? Est-ce que c'est pour ça qu'elle doit être acceptée? Et je l'ai dit, et je le redis encore. Eh bien, j'aimerais que la France soit aussi civilisée que le Maroc, parce que le Maroc, le pays où l'équipe du Maroc a gagné, il n'y a pas eu un bris de vitrine, il n'y a pas eu un bris, il n'y a pas eu une bagarre. Ils se sont, toute la population marocaine était en joie, et c'est normal, et pas une bagarre. Ah non, c'est ici. Ici, on laisse faire, hein. On ne va pas au contact. Mais ça veut dire quoi? Alors justement, j'ai avec nous Bruno Bartosetti, secrétaire national du NICE SGP Police FO, qui est délégué pour la zone sud. Bonjour Bruno Bartosetti. Oui, bonjour. Alors, expliquez-moi un peu, parce que, vous savez, on a l'impression qu'on répète à chaque fois des choses. On a de la violence un peu partout, et on a l'impression que c'est toujours le même refrain. Violence est là, d'un côté on caillasse la police et on fait des tirs de mortier, comme on l'a vu sur les Champs-Élysées et ailleurs. D'un autre côté, des gens se font vraiment massacrer. On dit, oui mais ça a toujours existé, c'est un sentiment d'injustice. Vous savez bien que c'est pas un sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu presque quotidien? Voilà, et on en parle, et ça continue encore et encore. Et c'est quoi? C'est devenu une rubrique? C'est devenu quoi? C'est terrible ce que vous dites, parce que vous le dites avec beaucoup de justesse, et voilà, mais pointez du doigt encore une fois quelque chose de terrible dans notre société, parce qu'on a le sentiment qu'on rentre dans un fatalisme où on nous éduque et on nous apprend à vivre avec cette violence. C'est inadmissible. Aujourd'hui, vraiment, la priorité des priorités, c'est
de sanctionner, d'isoler en tout cas, ou d'interner dans un hôpital psychiatrique ceux qui vont très loin dans la violence. Je prends l'exemple du football. C'est pour être festif, on sait. Bien sûr. Et on aura France-Maroc très prochainement. On sait que peu importe le résultat, c'est ce qui est terrible, peu importe le résultat, que le Maroc gagne ou que la France gagne, il y aura de la casse ou une tentative de casse. Mmh. Et il est hors de question, puisque vous avez souligné qu'il n'y avait pas de débordement au Maroc, hors de question de remettre en cause toute une communauté. Mais à un moment donné, lorsqu'on a des personnes violentes qui cassent, qui sont issues de milieux très populaires, la difficulté, bien sûr, c'est de avec précision, de sanctionner les vrais casseurs. Mais une fois qu'on les a identifiés, comme ça arrive quand même régulièrement, puisqu'on les connaît, Il me semble qu'aujourd'hui, le gouvernement doit donner les moyens à la justice d'isoler, de calmer ces personnes. Lorsqu'on a, je ne sais pas, de la place, alors c'est vrai que ça demande une volonté politique et économique. C'est clair. Les mettez sur le Larzac, vous leur faites casser des cailloux, ça va les calmer. Et pour les plus farcis du bulbe, désolé d'employer ces termes un peu caricatural, on doit les interner. Hein, je pense à l'octogénaire qui s'est fait tuer par deux personnes complètement déphasées, bien souvent à cause de stupéfiants. Ce sont des animaux sauvages, on doit les enfermer. Point final. Et on ne doit pas attendre qu'il y ait des meurtres pour ça, parce qu'on les a, nous, policiers, on maîtrise les personnes violentes et on sait qu'un jour ou l'autre, ils vont passer à l'acte parce qu'ils sont déphasés. Et ça devient très dangereux. Vous avez, à travers la question, vous avez donné déjà une réponse que j'estime, moi aussi, correspondre à votre sentiment, au sentiment surtout de tous les auditeurs. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, voilà une bande-annonce pour une revue de presse que vous aurez.